Salut les amis et bienvenue sur la partie 4 de Black Mesa. Donc on s'était rendu la dernière fois dans ce lieu un peu space où on avait une sorte de liquide un peu irradié, on va dire. Et on va essayer de trouver. Attends, il y a un coco là. Putain. Ah. On va prendre ça plutôt. Parce qu'il va me faire chier lui. Putain. Fait chier. Ils sont où les cocos? On va partir là-bas, on va se dépêcher. On va se toucher. Putain, le truc de radiation, il y va. Allez, là. Ok, c'est bon. L'image elle est bizarre. Hop, voilà, allez. Ça c'est dû au truc électrique. Au truc électrique, au truc nucléaire, je sais pas quoi là. Allez. J'ai pris cher quand même. J'ai pris cher au niveau de la vie. J'ai fait con aussi. Hein. Allez. Oh. Dégage, toi, je vais arriver. J'ai plus que 37 points de vie quoi. Oh merde. Dégage. Faudrait que je récupère de la vie dardard. Oh, j'ai vu des bébêtes que j'aime pas là-bas. Il y a un autre bus qui est là, en bas. Ah. Cool. Cool. Ok. Ok. Là, je peux pas rentrer ici. On va se remettre en... Quand j'entends des bruits, c'est sympa. Putain, je t'ai vu arriver ton coco. On sauvegarde. Ok. Destroy the damn thing before it gets any larger. Putain. Okay. Oh putain. Ah oui, ça rappelle quelque chose en premier. Hop. Tout juste.
Chef, main propulsion is engaged. Quiet. This thing has science to slow down to the general to get the rocket. Okay. Ouais, je suis avec toi, mais j'aime pas les trucs explosifs. Hein. Juste pour voir. Ah, je suis coincé. Alors, ça me rappelle dans le premier, effectivement, il y avait cette espèce de monstre, un peu casse-pied, on va dire. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avancer sans faire de bruit, parce qu'il est très 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 sensible au bruit. Et du coup, ça va me demander de me baisser. Oh, oh, oh. Ce qui est chiant, c'est que ma touche en tant que gaucher, ma touche pour m'accroupir elle est à gauche, sur le côté gauche, et j'appuie sur la droite pour avancer. Et du coup, ça me provoque des... il faut que je configure ma touche autrement. Parce que ça ne va pas du tout. Souris, clavier... Combat on s'en tape, avance, circule, esquive. Moi je veux juste la touche s'accroupir qui va être le bouton shift là s'il veut bien. Il veut pas me le mettre. Non, pas contrôle, je veux shift moi, putain. Attends, comment je peux faire? Après c'est une touche pour la sélectionner ici. Hein. Voilà, right shift. Parfait. Je teste. C'est un peu mieux. Hein. Je teste. Ok. Charge explosive, non, on va peut-être éviter là. Ici, sauvegarde. Donc là, on va avancer. C'est pas évident, il me touche. Voilà. Là, je marche à copie. Ce qu'il faut, c'est éviter de se retrouver dans le griffe. Oh putain! Oh putain, doucement, 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 doucement. Bouge plus. En fait, là, il faudrait casser le truc là-bas. Donc. C'est dur au niveau des touches. Hein. Très dur au niveau des touches. Et je me souviens que ce débat-là m'avait causé des... Elle m'avait déjà causé des petits soucis. Hein. Je suis pas optimum au niveau des touches. Hein. Je sais pas comment placer ma main en fait sur l'écran, sur mon clavier. C'est chiant, il y a la main qui contrôle la souris.
la main droite pour avancer. Mais il faut que j'utilise mon pouce de telle manière à ce que je puisse, vous voyez. Et c'est chaud quoi. Bouge pas. J'appuie. Le problème c'est que j'ai pas une touche qui permet de... J'appuie et je reste totalement bloqué en croupi. Ça, ça n'existe pas, dommage. Parce que ça m'aurait été super utile. Quoi. Donc là-bas, il faudrait foutre une charge. On va faire... Je suis vraiment obligé de faire des... Putain, c'est... Ça va pas du tout non plus. Je fais une configuration de touche, mais elle est pas optimum. Allez, on va placer ça ici. On va se mettre en hauteur. Voilà. On va rester là. Non! Mais ça me saoule, bordel. Ça me saoule. Hop, allez. On va mourir, c'est pas grave. Ce genre de jeu, franchement, il y a des moments... C'est horrible. C'est tout simplement horrible. Voilà. La gestion des touches. En fait, il faudrait que je sauvegarde dès que j'arrive à faire un truc. Voilà. Donc là, on jette. Et là, faut pas que j'appuie sur la touche gauche de la souris, il faut que j'appuie sur la touche droite. Voilà. Hop, ici. Touche droite. Voilà. Du coup, il se concentre sur la partie là-bas. On va redescendre. Alors, sauvegarde déjà. Ça, au moins, ça s'est fait. On reste un peu petit. On essaye d'atteindre une autre zone qu'on va faire exploser. Bouge pas. Putain. En fait, il faut réattirer son... On prend ça, on va balancer un truc là-bas. Hop. Voilà. Comme ça. C'est bon. On va déjà pouvoir tchou, ça passe. Ok, F6. Saloperie. Je l'ai pas vu ce pont. Doucement. Alors ça c'est tip top.
Ok, c'est parti. Ok, autre zone. Donc je pense qu'il faut mettre en branle les différents silos. Oh putain, je t'ai pas vu toi. J'entends du bruit, j'aime pas. Descendre. Je peux pas passer de l'autre côté là. Il aurait fallu que je fasse monter un ascenseur ici, je pense. Je peux pas passer en dessous. Ah, fait chier. Je peux pas passer où? Ah, merde. Bon, cul-de-sac. Cul-de-sac. Merde. Je pensais qu'on pouvait éventuellement monter. C'est pas le cas. C'est pas grave, on va aller. On va partir de cette zone, c'est pas grave. Il y a sûrement quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai oublié de faire. Alors doucement. Un petit gymnastique de main. Il est trop près de moi, ce con. Voilà. Et on passe. Et heureusement que j'ai des grenades. Heureusement que j'ai des grenades parce que sinon je serais mal. Ah, la gestion des échecs. Putain. Je me suis relevé. Sur le bord, mais...
Si c'est là. Ok. Ces ennemis là, je les aime pas du tout en fait. F6. La casse. F6. Quoi, j'aurais pu tirer sur les trucs explosifs, hein. Ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. F6. Zone de chargement. Oh putain. Casser les caisses. Il y a une petite chose sympa dedans. Là-bas, il y en a un coco là-bas. Tout là-bas, vous. Fais gaffe à tous ces trucs là au plafond parce que... Donc là j'ai mis en marche les autres. Oh putain! Mort les mecs ou pas là-bas? Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Le 6. C'est waouh. Oh merde.
Merde. J'ai crevé là. Oh putain. Ok. Ok. Non. En fait, ce que je veux faire, c'est pas descendre. Je vais faire descendre l'ascenseur. Parce que c'est ce qui me bloquait pour, la, pour passer la, le chemin dans l'autre sens. Donc. Et je veux pas descendre, bordel. Pourquoi j'ai sauvegardé là, moi? Mais merde. Je veux pas descendre. Voilà. Voilà. Il descend tout seul. Pourquoi? Parce qu'après, l'autre va faire un lien avec l'autre. Celui que j'avais pas passé tout à l'heure, vous savez. Donc, je regarde si ça bougeait. Ok. Du coup, on va revenir à l'ancien silo. Voilà. Et j'aurai normalement un chemin. J'espère, si j'ai bien calculé mon coup. Hop, F6 sauvegarde parce que j'ai pas envie de me planter. Hop. Là. Ici. Donc là, on va reprendre nos grenades. Reprendre la position pas très confortable du de la main. Alors attends. Il faut remonter en surface. Donc on va balancer une grenade là-bas lui. À la main avec ce... Oh, ok. Là. Ici. Ok. Là, il y aura normalement une petite zone de chargement. Voilà. Et puis, j'espère que ça va m'ouvrir le chemin vers la porte. Hein. J'ai bien calculé mon coup. Mais non. Je pensais, vous voyez, que là, il y allait avoir l'ascenseur, en fait, qui allait se poser ici, sur l'un des deux trucs, là. Donc, c'est pas bon du tout. Et j'espérais que justement l'ascenseur se bloque là. Je dis pas qu'il faut tomber quand même. Hein. De toute façon, là où j'en suis, perso. Allez pour voir. Hop. Ok, goodbye Charlie. Alors. Ah, téléphone, putain. Foutez-moi la paix avec le téléphone. Alors. Putain, ça me saoule. Eh bien, faut sauter, carrément. Alors, attends. Moi, les sauts et moi, ça fait deux. Hein. Hop là. Hé.
La porte elle s'ouvre pas, mais qui est nulle. La porte elle s'ouvre pas du tout. Du coup, je sais pas trop ce qu'il faut faire là alors. Moi je pensais vraiment pouvoir ouvrir cette porte là, mais en fait non. Et même je pensais pouvoir passer en dessous là. Bon, ok. Je sais rien. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire là. Ah, c'est fermé. Le pire, c'est que j'entends des. J'entends des voix derrière. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le juice ? Ça. Okay. Bon, parfait. On retrouve notre ascenseur bidule. Okay. Ah ah. Saloperie, putain. Ça me saoule. Du coup l'ascenseur il est tombé là. Et ça tombe, je me suis foutu tout seul dans la merde. Parce qu'il n'y a plus moyen de le rappeler. Il s'est cassé la gueule. Et j'ai pas suivi le chemin de l'ascenseur et du coup...
Si ça tombe chez Keblo de chez Keblo, là, je vais peut-être pas pouvoir m'en sortir. Oh merde. Oh merde. Oh putain, je suis dans la merde. Attends. Bon, bah là, les amis, je suis sur un coup de sac. Et j'espère que j'ai pas foiré la game en faisant descendre l'ascenseur. Alors, moi, que je peux le rappeler. Non, même pas. De là-haut, franchement, c'est mortel, quoi. J'y crois pas, quoi. Je peux pas m'en sortir en descendant là. Merde. Putain, mais quel nul. Je suis en train de réfléchir en même temps que... Après, t'as deux trucs là, tout en haut. Oh merde. Je tombe. Enfin, ils s'en doutaient hein, que c'était mortel, mais... Putain, mais quel nul, cet ascenseur de brin, là. Bon, ben, les amis, je pense qu'on va se laisser là, parce que... Ok. ouais, parce que là, je sais pas quoi faire. Je suis coincé. Oh, merde. Je suis Keblo de chez Keblo, là. 6. Monter avec ça, peut-être en cédant des petites choses qui vous traînent tout en haut là. Ça peut m'amener en haut, mais c'est dangereux. Je sais pas si d'y arriver. Tu vois comme ça. Je tombe direct derrière, donc ça sert à rien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Je vais me laisser le temps de réflexion. Essayer plusieurs choses et puis voir si j'arrive à faire la suite. Ça serait bien. Au pire des cas, je pourrais recharger une autre partie. Hein. C'est pas... Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Campagne, charger une partie. Je peux reprendre, vous voyez, aux différentes dates. Hein. Donc... C'est pas très grave si j'y arrive pas, à la limite, on fera ça plus tard. Bon allez, salut les amis, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, vous partager, vous abonner si vous souhaitez. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, salut, ciao, bye bye.